Salut à toutes, salut à tous, c'est Lund et aujourd'hui on se retrouve pour le 25e épisode de notre let's play sur Borderlands 2 si je ne me trompe pas. Donc je suis toujours à Sanctuary et il y a un truc qui est marrant, c'est vous vous souvenez la dernière fois il y avait la quête du Claptrap que j'avais pris et il y avait Scooter qui devait me donner une quête et en même temps il fait partie de la quête si on lui parlait. Et comme il m'a donné la quête juste après, et ben le chrono là de la quête est toujours sur pause. Et donc donc c'est marrant parce que du coup je peux prendre tout mon temps pour les deux derniers. Donc c'est plutôt sympa. Donc maintenant on va donc la faire vite fait cette quête. Donc faut aller voir Moxie et Marcus. Donc on va un peu l'écouter. Ah oui. L'un d'entre eux est entré ici en courant il y a 2 heures en réclamant ah le droit d'asile. Je lui ai dit que je pouvais rien promettre et il est devenu méchant. Alors j'ai sorti Ruby et je lui ai balancé 3 premiers. Son bouclier a arrêté les 2 premiers, mais le troisième, il l'a dégusté. Personne ne me menace dans mon bar. Donc là ça a rempli l'autre quête, celle du type à terre qui s'était fait assassiner. Bon, c'était pas celle-là de quête que je voulais commencer, mais bon. Allez, maintenant tu me parles pour Claptrap. Oh, désolée, je suis prise. Mais embrasse Claptrap de ma part. Platoniquement, je veux dire. Je voudrais pas qu'il se fasse des idées. Ah, et la quête est toujours sur pause, donc je crois qu'elle est complètement buggée. Ou alors c'est que le chrono se déclenche après. Là sur le coup, je ne sais pas du tout. Bon, on verra ça. Maintenant on va aller voir Marcus, notre ami Marcus. Allez. Non. Reviens, sbire. La fête va commencer. Ah mais y a personne qui veut venir à ton anniversaire, hein, Clappy. Je suis désolé pour toi, hein, mais tu saoules tout le monde, on dirait. Le pauvre. Le pauvre, le pauvre. Y a vraiment pas de chance, ce pauvre Claptrap. Allez. J'ai de la pizza et des serpentins. Fais péter la sono et que la fête commence. Hop. Très bien. Les invités ne devraient plus tarder. Ah si, le chrono marche maintenant. Ah, c'est juste un décompte en fait. La mission que je t'ai confiée avance bien, sbire. Et il faut faire quoi? Participer à la fête. C'est-à-dire... Attendez, je vais lire un petit peu l'intitulé de la quête parce que... Machin, quand ce sera fait, vous pourrez profiter et passer du bon temps à la fête. Ouais, je crois que c'est juste un décompte. Bon bah écoutez, on va attendre ici. Hein. On peut même pas manger de la pizza. C'est dégueulasse. Je veux de la pizza, moi. Je l'ai fini ma tâche. Enfin bon bref, on va attendre. Aussi si vous. Comme enfin si vous avez regardé l'épisode précédent, vous aurez vu que j'ai débloqué donc un nouvel emplacement pour une arme. Cet endroit n'est pas facile à trouver. Et donc pour ce nouveau slot d'armes, j'ai pris le fusil à pompe que j'avais trouvé dans l'épisode précédent aussi. Donc, n'hésite pas à te joindre à eux. Il y a personne. Donc ça me fait la mitraillette que j'ai trouvé aussi dans le coffre de la dernière fois, donc j'ai pas encore testé. Il y a de la pizza si tu as faim. Ouais. La pizza est un peu froide. C'est pas grave. Donc j'ai celle-là d'arme que j'ai depuis un petit moment, mais ça va, elle est pas mal. Tous. J'ai le sniper de la dernière fois. Et donc le fusil à pompe. Bon, c'est long là. 40 secondes encore. Pas pause. Oh, j'oubliais. Je n'ai pas de poumon. Sbire, peux-tu souffler dans cette chose? Ça aiguera peut-être un peu la fête. Ouais, oui, je peux. Allez, c'est pour toi, Claptrap. Ouais. Ouais, donc là, il faut attendre. Tu t'amuses bien? C'est passionnant comme fête quand même. Pauvre Claptrap. Allez, plus que 20 secondes. Soupir. Soupir. Bon, je crois qu'il est temps de tout remballer. Merci. Merci d'avoir assisté à ma fête, sbire. J'ai vu trop grand pour la pizza. Ramène-en chez toi si tu veux. J'ai pas de chez moi.
Enfin bon, voilà, quête terminée. Ça a été la plus belle fête de ma vie. Eh ben, t'as pas connu de bonne fête, hein, mon gros. Donc maintenant, on va aller voir. Qu'est-ce qu'il y a comme autre quête à Sanctuary, ici? On ne les reprendra plus. Ouais, donc c'était le truc avec l'assassin. Donc j'ai interrogé Moxie. Je vais aller interroger Z qui habite juste à côté. Hop. Je suis blessé. Ouais, il est comme neuf. Et il m'a même payé un bonus. 6 000. 5 000 $. Vous n'allez quand même pas les confisquer comme pièce à conviction, si? Hop. Ensuite, il faut aller interroger le Marshal Friedman. Donc on va aller le voir, ce petit Friedman. C'est con d'interroger l'inspecteur qui s'occupe de l'affaire, mais bon. Alors, monsieur Friedman. Il y a eu un coup de feu il y a 2 heures. Naturellement, j'ai fait comme si j'avais rien entendu jusqu'à ce qu'on m'appelle à l'aide. J'ai trouvé ce garçon baignant dans son sang, une seule balle dans la gorge. Et j'ai vu s'enfuir un des garçons caniveaux. Désolé, mais c'est tout ce que je sais. Ok. Et identifier l'assassin. Donc... Ok. En fait, j'aurais dû écouter ce que Mad Moxie a dit. Donc il faut que j'en accuse un des quatre. Je peux pas réavoir la version de Mad Moxie parce que la dernière fois j'ai pas trop écouté vu que j'étais concentré sur la quête du claptrap. Est-ce que tu peux répéter, Moxie? T'en sors avec ce boulot que je t'ai donné? Bon, elle veut pas. On peut laisser des pourboires, mais bon. Enfin, je sais qu'il y a un truc de Brutas ou un Success Team qui traite de ça. Mais bon, pour le moment, j'ai pas trop d'argent à donner là-dedans. Alors, lui, faites voir. Lui, il a un pistolet. Ok. Lui, il a aussi un pistolet. Lui, il a un sniper. Et lui, il a un bazooka. Donc déjà, c'est pas le bazooka, vu que la 10, c'était un tir dans la gorge. Donc c'est un des trois, là. Je pense pas que c'est lui, parce qu'avec un sniper... Je pense pas. Donc lui, faites voir. Lui, il a un bouclier, là, je crois. Je sais pas. Et lui, il a juste un pistolet. Mais ouais, lui, il a un truc, là. Donc on va l'accuser. Bon, si tu le dis... Bof. Perdu ! Ah, c'était le sniper. Bon, si tu le dis... Ouais, c'était moi ! Et je regrette rien ! Bon, tu regrettes rien, mais tu t'es fait tuer. Barlow croyait pouvoir tuer un innocent sans se faire épingler, mais... Qui s'y frotte, s'y pique. Oh, petit coup de revolver comme ça. Allez, valide la quête. Encore merci. Bon, bah en fait, finalement, on s'en fout de qui l'a fait au final. De toute façon... Enfin bref. Alors, qu'est-ce que j'ai comme autre quête? Parce que j'en ai plein et je sais pas quoi faire. Je pense qu'on va repartir dans les Highlands. Ici. Ou bien... Je sais pas. Ouais, allez, on va faire les Highlands. Parce que c'est la zone la plus... Enfin, c'est pas la plus proche, étant donné qu'il faut quand même se téléporter, mais... Mais bon, j'ai envie. Voilà. Et comme j'ai envie, je fais ce que je veux, c'est mon let's play. Allez. Donc. Oula, il y a plein de points sur la carte. Ramasser les journaux. Ok, donc il y a ici. Il y en a un ici, c'est où ça? Ok. Bon, déjà on va prendre ceux qui sont visibles et puis celui qui est en dehors de la map. Écoutez, on va le laisser où il est et puis on verra bien. Parce que là, je découvre. Parce que ça, je l'ai pas fait avec ma sirène. Donc je découvre complètement. Avec ma sirène, oula. Non. Bon, tout juste. Et c'est peut-être en bas même d'ailleurs. On va aller voir en bas. Mais ça, avec ma sirène, je l'ai pas fait. Hein. Avec ma sirène, je me suis arrêté au moment où il y avait... Enfin, où on rentrait à Sanctuary, donc... Je vais prendre peut-être un petit peu plus d'avance ce soir ou demain, mais pour le moment... Je découvre. Alors, ici, de l'iridium, ça c'est cool.
ici à l'écho. Hop, on ramasse tout ce qui traîne. Et comment on fait pour rentrer? Ok, le petit truc, le petit saut là. Ok, j'ai pas confiance. J'ai pas le choix. Ah si, peut-être ici. Hop. Ouais, parfait. Je vais mourir. Roland m'a contrainte à venir m'installer à Sanctuary pour ma propre sécurité. Mais les ahuris qui vivent dans cette ville me rendent folle. Aujourd'hui, une jeune femme m'a saluée. Je suis restée hébétée pendant que mon cerveau cherchait le moyen d'éviter cette interaction indésirable. Alors que la nausée colorait déjà mon visage d'une teinte rougeâtre, un vaisseau capillaire a éclaté dans mon nez et un jet écarlate a jailli de mes narines, nous aspergeant toutes les deux. Elle est aussitôt partie en hurlant. Mais même si cette fontaine sanguine a mis un terme à cette horrible épreuve, je crains que ce ne soit pas une stratégie viable sur le long terme pour éviter la conversation des gens d'ici. Elle saigne du nez en parlant à des gens. Oula, non. Ah, je conduis super bien, vous pouvez le dire. Je pense pas que vous avez vu un pilote de course aussi bon que moi. Franchement, je doute qu'il y ait des gens qui conduisent aussi bien. Franchement, j'ai jamais vu en tout cas des pilotes aussi expérimentés qui font des actions aussi belles que se prendre un mur. Oula. Hop. Non, c'est pas par là. C'est par là-haut. Bon, par contre, ils peuvent arrêter de me tirer dessus, ça serait pas mal. Surtout qu'ils n'arrivent pas à me viser, mais enfin bon. Alors, ici, il y a un petit écho. Et il est bloqué dedans. Donc, comment je suis censé aller? Ok. Hop. Eh hey, mais il me vise de loin ces conneries. Peut-être en passant par en dessous. Non, on peut pas. Donc il va falloir passer par au-dessus, hein, évidemment. Vu que la porte est fermée. Quoique on peut pas passer par au-dessus. Non, on peut pas. Il faudrait le prendre là comme ça. Peut-être. Ouais, c'est ça. Les mêmes questions se sont imposées à moi aujourd'hui alors que je clouais sur ma porte un scac désarticulé afin de dissuader ses semblables d'approcher. Pourquoi Jack tient-il tant à la clé de l'arche? La clé se chargeait-elle simplement tout le temps que je l'ai eue en ma possession avant qu'il ne l'arrache de mes mains ensanglantées? Attendait-elle de libérer ses pouvoirs extraterrestres sur Pandore et de faire émerger du sol de l'Iridium? Se préparait-elle à débloquer d'autres ruines extraterrestres? Je compte analyser ces hypothèses en profondeur dès que j'aurai insonorisé les murs de ma maison afin de ne plus avoir à supporter la bruyante jovialité des citoyens de Sanctuary. Toujours occupé de se plaindre. Hein. Donc on va aller chercher les deux derniers échos. Et après on va regarder ce qu'il y a d'autre. Hein. Je crois que la quête principale c'était là où justement on me tirait dessus là, il y a quelques secondes. Donc on va aller faire ça après. Bon, évidemment, hop là dans ta tête, évidemment faut réussir d'abord cette quête-ci, et je sais pas, ouais il faut passer par là. Est-ce que je peux contourner par ces rochers? Je peux contourner par ces rochers. Ouais, du coup là je suis en voiture, je peux passer comme je veux. Oula, c'est quoi ça? J'aimerais bien les écraser. Hop, un robot en moins. J'ai pas réussi à l'avoir. Voilà, parfait. Et pour aller chercher l'écho, on y va. Ah merde. Oui, alors, ça c'est un truc à faire. Enfin, ne pas faire. C'est sortir des zones de jeu. Parce qu'on vous menace, et si vous sortez un peu trop, ben on vous tue. Et là j'avais pas vu en fait, parce qu'il y a toujours dans ces zones là des genres de genre de poteaux, et dessus il y a des tourelles, et c'est ces tourelles qui vous tuent. Et bah écoutez, moi je l'avais pas vu la tourelle, et ça faisait longtemps que ça m'était pas arrivé. Allez hop, amusez-vous avec ça. Donc vous voyez ici il y a la tourelle qui m'a tué.
On peut pas les casser ces choses là, c'est juste pour pas qu'on sorte. Oula. Oula. Hey Lucan. Aïe 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 aïe. C'était quoi cette saloperie? Honnêtement. Oula, il est là. On va le slaguer déjà. Pour lui. Regarde, il s'est fait pourrir là. On va prendre le fusil à pompe, tiens, pour le tester. Ah, il a mal, hein, en étant slagué. Je vais vite faire ramasser ici ce qu'il y a. Hop. Alors on va le slaguer. Hop. Et là on va prendre. Mince. Il part. Ah mais il fait mal en plus. Hein. Bon allez, je prends ça. Et on va espérer que ça suffise. Allez, allez. Ouais, parfait. Ouh, c'était vraiment, vraiment, vraiment juste. Je croyais y passer. Waouh. Bon. Alors, j'ai vu un truc plutôt intéressant. Il faut que je trouve. Là, ici. Cadeau de Taggart pour sa maman. Ah oui, c'est le gars de la quête de la dernière fois. Qui s'était fait bouffer par des rôdeurs. Et ça, c'était le coffre. Qu'il a offert à sa mère sûrement. Alors. Bonne fête des mères à la meilleure maman dont un maître chasseur puisse rêver. Mais tu vas devoir attendre que je rentre. J'ai verrouillé le paquet avec l'empreinte de mon poing. Bon, là je dois aller arracher les boyaux d'Henri la rôdeuse avec mes dents. À bientôt. Bon, ça on verra plus tard. Pour l'instant on était occupé avec la quête ici. Des journaux de Tanis. Donc hop. Ou en tout cas robuste hein, la bestiole. Franchement là, non. Ok, c'est un truc suicide en fait. Faut courir, ramasser le truc et après on va tenter. Non. J'ai découvert une légende à propos d'un antique guerrier extraterrestre. Une clé magique pourrait le ramener à la vie. Si mes hypothèses s'avèrent exactes, et elles sont toujours exactes, la légende se réfère à la clé de l'arche. En outre, un jeune homme m'a dit que j'étais belle alors que je rentrais de l'épicerie tout à l'heure. Ma réaction a été singulièrement mesurée. Je n'ai passé que 3 heures à vomir dans une bassine. Elle me fait délirer, Tanis. Elle est tellement asociale. Après on dit sur les geeks, mais franchement on réagit pas comme ça quand même. Il y a pire, il y a Tanis. Donc allez, on va se dépêcher de prendre une voiture. Je regarde vite fait l'heure. Oula, ça tourne. Hein. Ça tourne. Je sais pas si on aura le temps de faire beaucoup de choses. Allez. On se dépêche. Ah! Putain, mais je suis vraiment une merde hein, pour conduire. C'est abusé. J'hallucine. Franchement. C'est dingue. Donc là, il faut que j'aille là-haut. Je crois. Faites voir. Ouais, c'est ça. Et ça, je crois que c'est le truc de tout à l'heure, là, la base d'Hyperion. Et si c'est le cas, bah, on va pouvoir faire 2 quêtes en une. Vu que de toute façon je dois y aller normalement d'après ce que je pense. Oh tiens, de l'argent. Oh tiens, des bestioles. Allez, meurs saloperie, laisse moi passer. Mais putain, merci. Alors faites voir. Ouais, c'est ça. Et l'autre quête là que j'ai, Overlook. Ah non, c'est pas là. Ah ben, bon bah. Écoutez. C'est pas pour maintenant tout de suite. La tourelle, on va lui donner des coups.
comme il se doit. Ah là là là, non, non, non. S'il y a les bestioles qui se foutent sur ma tronche et en plus il y a ça. Non, vite, je vais descendre là parce que c'est chaud. Non, 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 non. Non, 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 non. Ah, vite, vite, vite. Faut que je réussisse à choper ce truc là ou un autre. Voilà, parfait. Oh là là, comment il a poussé ma bagnole lui. Voilà, parfait. Et là il y a encore ce truc là. Allez, au pied. Parce que je sais qu'il va me faire chier de toute façon. C'est pas possible ça. Et il me nargue en plus. Allez, je t'ai tapé. Voilà, parfait. Voilà, hop. Pour que je prenne l'argent. Voilà. Je me cache dans, dans le bouclier de ma tourelle. Alors le truc à faire, c'est essayer de leur casser les jambes. Si vous pouvez. Comme ça... vont pas vous faire chier. Bon, évidemment quand j'essaye de le faire ça marche pas. Hop, bon on va essayer un petit peu ce fusil à pompe. On l'a essayé un petit peu tout à l'heure avec le gros monstre là de feu, mais bon bah ça va aller plutôt pas mal on va dire. Après j'ai pas non plus trop testé mais. Oula. Une genre de tourelle qui... Ah non, c'est des gens. Oh, bah c'est des gens. Une petite grenade. Ça fait pas de mal. Ouais, hop. Petite tourelle aussi. Allez, allez. Elle va faire le ménage. Là-haut, il y en a encore un. Voilà, parfait. Oula. Vous allez vous prendre ça. Je vais me cacher ici. Et ça tire en rafale. C'est un sniper qui tire en rafale. C'est quand même vachement original. Et par contre là c'est une mitraillette coup par coup. Bah, cherchez la logique. Enfin bon, une mitraillette coup par coup c'est quand même un peu plus logique qu'un sniper en rafale. Mais bon. Oh là là, un peu de mal. Allez, hop, hop, hop. Hop, voilà. Donc c'est un, je sais pas si vous l'avez remarqué, mais c'est un fusil à pompe qui explose quand on le recharge. On le balance sur l'ennemi et ça explose, enfin bon. Vous devez être habitué si vous connaissez un minimum Borderlands 2. Hein. Je crois que c'est pas la première arme que j'ai eu comme ça. Alors, comment on fait pour monter maintenant? Faites voir un peu l'heure aussi. Oula, le temps tourne. Je vais me dépêcher. Je vais les laisser. Hop là, esquive de malade. Le bidon, tu vas avoir mal si je le pète. Voilà, parfait. Oh mais... Ça c'est la loose. Eh, viens ici. Voilà. Ouh. J'ai eu super chaud. Et ça a failli faire comme la dernière fois. Vous savez, quand j'ai dû... Enfin, quand il y a un rat qui a tiré sur un bidon. Et que je suis mort à cause du bidon. Et que le rat, je l'avais déjà tué. Je sais pas si vous vous souvenez, c'était il y a... Il y a deux ou trois épisodes. Oh, headshot. Hop, headshot. Oula, encore un. Voilà. Et il y en a combien des comme ça? Lâche-moi, toi.
Bon, tant pis. Faut que je trouve... Ouais, l'accès, il est ici. Faut toujours monter dans cet endroit. Bon, je vais les laisser. Je vais les laisser, je vais me dépêcher. Et cours, cours, cours. Bon, hop, une petite tourelle. Oh non, pas ça. Aïe, 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 aïe. Ouais, j'ai tué l'ingénieur qui est derrière. Allez, je vais prendre mon pompe. Parfait. Non, non, non. Hop là. Et voilà. Ouais, je cherche... Ah, merde. Et merde, comment je vais faire pour passer? Faut couper de l'électricité. Où est-ce que ça se coupe? J'en ai pas la moindre idée. Bon, ça sera un épisode un peu plus long, hein, finalement. Hop. Eh ben, je suis juste bien placé pour pas me prendre le laser, c'était beau. Mais par contre, comment arrêter l'électricité? Là, j'ai... Ah, il faut suivre. Ah, là-haut, le disjoncteur. Voilà, parfait. Et en plus, il y a plein de caisses. Hier, j'ai eu une conversation avec un autre être humain. Pour peu que l'on puisse assimiler mes grognements de terreur sociale à un langage humain. Mais Roland n'a pas eu l'air de s'en trouver incommodé. Il m'a demandé pourquoi Jack n'avait toujours pas réveillé le guerrier, puisqu'il a la clé. Je lui ai rétorqué que la clé devait être chargée en iridium, d'où les opérations d'extraction intensive menées par Jack. Il a acquiescé et essuyé en silence le postillon de son visage. Je suis rentrée chez moi, déconcertée non seulement par son absence de dégoût devant mon comportement, mais surtout par mon absence de dégoût à son égard. Pour la première fois, j'ai senti que je pouvais vivre à Sanctuary. Pour la première fois, je m'y suis sentie... bien. Eh ben... En tout cas, cette quête est terminée. Et je vais arrêter de jouer pour cette petite session très courte. Deux épisodes pour cette session. La prochaine fois, je vais aller à The Fridge. Et je ferai... Copine Lani ? Elle est parfaite, blonde, sexy, cousine très éloignée, sexy aussi. Mais ses rats d'égout lui ont tourné la tête. Faut que tu la sortes de cette connerie de cannibalisme. Je veux pas me faire mordre. Apporte-lui ses fleurs préférées et à bouffer. Et je suis sûr qu'elle redeviendra elle-même et qu'elle arrêtera de mordre. Donc là... Oh, et si tu trouves des magazines de cul, mais par hasard, hein, comme ça, en te baladant, eh ben, rapporte-les-moi. Donc là, je vais juste dans cette zone-là. Bon, en fait, non, on va plutôt prendre cette quête, une quête de cette zone-là, mais bon... On va arrêter là. Faites voir. Donc la quête de Highland machin. Je suis sûr que j'en ai une. La Highland machin, ici. Donc c'est ici normalement. Ouais, c'est ça. Donc on fera cette quête là la prochaine fois. Et pour le moment, on va se quitter. Donc n'hésitez pas à aimer, à commenter ou à vous abonner. Ça fait toujours plaisir. J'ai toujours une page Facebook et Twitter qui est dans la description de cette vidéo. Et donc on se retrouve au prochain épisode. Ciao, bye bye.